on fait effectivement des repas de sang dans l'élevage, comme... On a un intérêt effectivement à avoir des grandes cages pour produire à grande échelle. On va pouvoir séparer, récupérer que les mâles qui nous intéressent. Et là, regardez. Donc là, c'est le séparateur. Ça permet de différencier les nymphes mâles des nymphes femelles. Et on utilise la paille parce que les nymphes mâles... Il y a 10 000 larves par plan. Il y a 109 sur l'espace ici. Et après, à partir de ça, vous pouvez rejoindre. Donc au niveau de l'éclosion, ils sont adaptés en plus. Et le petit produire 10 000 moustiques, ça demande.